Bernardo Silva au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Bernardo Silva, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Bernardo Silva, les gars, est-ce que le PSG va réussir à recruter Bernardo Silva, les gars? Pour moi, ça me paraît très compliqué. Certes, Bernardo Silva veut changer d'air. Il veut quitter Manchester City. Mais sauf que Manchester City n'a pas envie de le libérer, les gars. Manchester City veut que Bernardo Silva prolonge son contrat. Il y a également l'Arabie Saoudite qui fait des yeux doux à Bernardo Silva. Donc, tu as le PSG sur le coup, tu as le Barça même sur le coup et tu as l'Arabie Saoudite. Sans compter que tu as Manchester City qui veut le faire prolonger. Donc, ça sera très compliqué de faire. D'attirer Bernardo Silva au PSG. Est-ce que c'est un jeu qui peut apporter au PSG? Effectivement, il va apporter au PSG. C'est un jeu qui a beaucoup de qualités. Mais pour moi, les gars, pour moi, il faudra vraiment que le PSG mette une somme à City. Et avec le fair play financier qui tient à gauche le PSG, ça sera très compliqué. Donc, moi, j'ai peur du fair play financier. J'ai vraiment peur du fair play financier. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu vois Bernardo Silva venir au PSG? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. De toute façon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.